Salut, salut la famille. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va très bien chez moi. Ok, la famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner facilement avec l'option handicap. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker si tu n'as pas oublié de t'inscrire avec mon code promo qui est juste sur l'écran actuellement. Le 1 ISA. Meilleur code promo de la plateforme YouTube ainsi que la plateforme Monesbet. Tu t'inscris avec ce code promo, ton compte sera hyper sécurisé. Tu n'auras pas de souci de déposer de retrait sur ton compte. Ton compte sera hyper sécurisé. Voilà, donc je vais laisser également le lien de mon groupe Telegram en description de cette vidéo. Pour ceux qui veulent s'abonner à mon groupe Telegram pour pouvoir bénéficier des astuces, des coupons et d'éventuels conseils pour pouvoir se faire constamment de l'argent. Voilà, sur cette chaîne, nous parlons uniquement du pari sportif. Tout ce qui est en rapport avec le pari sportif tel que Linebet, Melbet, Betclic, un winner, etc. One is bet, tout ça. Nous allons toujours parler de ça sur ces différentes chaînes. Et ce comprenez. Donc, nous allons rapidement entamer le but du sujet qui est de vous expliquer comment gagner facilement. Comment d'abord comprendre handicap et comment gagner avec l'handicap. Et ce comprenez. Nous voilà ici. Par exemple, dans l'option handicap de match de Anguilla et de Lille et la Turquoise. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est Ligue nationale de connu de CONCACAF. Vous comprenez? Ce sont des matchs des pays vraiment asiatiques là-bas. Ok, nous allons rapidement rentrer dans le but du sujet. Vous voyez ici, c'est découpé en deux. Tout ce qui est écrit où ils ont mis 2-2-2-2, cela ne concerne que l'équipe 2. L'équipe qui est à votre droite actuellement, il. Ici, par exemple, également, tout ce qui est 1-1 ici, ça concerne uniquement l'équipe 1. L'équipe de la gauche, Anguilla. Ils sont comprenés. Voilà. Donc, nous allons travailler avec ça et ça. Je vais vous expliquer là. À partir de là, vous allez comprendre. À partir des deux là, vous allez comprendre comment fonctionne handicap. Et ça, comprenez. Voilà, là, vous pouvez maintenant valider chez vous sans problème. Voilà. Quand je prends la première option, par exemple, à ma gauche, ici, par exemple. Nous avons vu total 1, ils ont mis 1, entre parenthèses, moins 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire total 1 aura moins 1,5 buts. Est-ce que vous comprenez? Total 1 aura moins 1,5 buts. Maintenant, pour que votre coupon ici soit gagnant, il faudrait que l'équipe total 1 puisse faire 2-0. Est-ce qu'il me fait comprendre? Il faut 2 buts d'écart pour que votre coupon soit gagnant ici. Ça n'a rien à voir avec handicap européen. Voilà. Écoutez-moi attentivement. Voilà. Donc, nous allons prendre ici également. Je vais vous expliquer. Ça veut dire, si vous prenez ça là, Lille a 1,5 buts d'avance. Si, pour que votre coupon ici soit gagnant ici, il faudrait qu'il y ait 2 buts d'écart entre Lille et Anguilla en faveur de Lille. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ok. Maintenant, arrivé à ce niveau. Si vous prenez cette option-là, moins 1. Moins 1, c'est pour cette équipe. Et que le match a commencé, Lille a gagné 1-0. Automatiquement, votre coupon est renversé, est remboursé plutôt. Votre coupon est remboursé automatiquement. Voilà. Mais s'il y a eu 1-2-1 en faveur de Lille, votre coupon sera également remboursé.
Non, votre coupon est perdant ici. Pardon. Votre coupon est perdant. Si jamais vous faites, ils font également comme ça, 2, 2-1. Voilà, c'est ça, je voulais écrire. 2-1, 2 pour Angela et 1 pour il. Votre coupon est remboursé puisque ils vont retirer les moins 1 ici et ça va nous rester 1, 1. C'est très simple. Si vous prenez cette option, le moins, le score final, après avoir retiré ces moins, vous ne devrez pas avoir un score égal. Est-ce que vous comprenez? Si vous utilisez l'option moins, après les moins, vous ne devez pas avoir un score égal. Sinon, vous êtes remboursé. Maintenant, si vous avez un score moins un but de cas, vous êtes remboursé. Si ça tombe sur le score juste, vous êtes remboursé. Mais si ça tombe sur un score où vous allez avoir au moins un de moins, là seulement, vous allez avoir votre coupon sera perdu. Ça, c'est l'option handicap simple. Voilà, donc je vais maintenant faire la vidéo sur l'handicap européenne pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez connaître la différence entre l'handicap simple et l'handicap européenne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ici, je vous conseille, et ça c'est premier mi-temps. Ici, je vous conseille ça. Ouais, deux. Je vous conseille, ils sont favoris. Au moins ça. Voilà. Je vous conseille ça ou ça. C'est tout. Ciao la famille.